Bienvenue sur Astroéthique, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui? Quelles sont les influences qui nous accompagnent pour ce jeudi 22 mai 2014? Eh bien, on se quitte et on se retrouve avec les mêmes énergies planétaires qui sont mises à notre disposition. Je pense que pour la dernière vidéo, nous étions dans une conjonction, dans un trigone, et donc une rencontre, une fusion d'énergie entre la Lune et Neptune, qui nous disait de croire en nos rêves. Et je vous disais, voilà, il faut croire en vos rêves. Et je vous dis la preuve, et je vous donnais plein d'exemples. Et puis je suis partie en formation, je suis allée à Paris. Et tout au long de ces moments où je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait dire encore par rapport à se croire en tes rêves? Tu as encore des choses à dire, Sandrine? Eh bien, me voici aujourd'hui, donc on est mercredi, au moment où je tourne ma vidéo, à regarder mes éphémérides et à regarder les aspects, et paf! Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Mais la Lune rentre en poisson et elle est conjointe à Neptune, donc on retrouve les mêmes aspects, les mêmes énergies planétaires qui se combinent. Donc c'est que je n'ai pas tout dit sur croire en ses rêves, j'ai encore des choses à vous dire. Qu'est-ce qui m'est venu? Croire en ses rêves, c'est avoir la foi. Hein? Alors d'abord, on va reprendre à croire en ses rêves, pourquoi avec la Lune et Neptune? Parce que la Lune c'est notre imaginaire et Neptune c'est nos rêves. Et croire en ses rêves, c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer et d'être dans un élan de vie. Et au moment où la Lune et Neptune sont en poisson, c'est le dernier cycle du zodiaque, une boucle se boucle. Et on va pouvoir démarrer un nouveau cycle, être dans le fer avec le bélier lorsque la Lune va rentrer dans le bélier. Donc croire en ses rêves avec la Lune conjointe à Neptune en bélier, c'est les fabriquer à l'intérieur de nous, comme une gestation. Hein, avec le signe du poisson, c'est... avant l'enfantement, on est dans le ventre de la mère et il y a un projet de vie qui va prendre sens. Et les rêves vont devenir réalité à partir du bélier. Donc, tout le moment de la présence de la Lune en bélier, c'est un bon moment pour se connecter à nos rêves, à notre imaginaire, à tout ce qui est possible que l'on va pouvoir avoir envie de commencer à réaliser à partir du moment où la Lune va rentrer en bélier. Bon, on a Mars aussi qui est redevenu direct hein, au niveau des planètes. Bon, c'est pas mal ça. Vous avez dû le sentir lundi ou mardi, Mars il est redevenu direct, planète d'action. On peut à nouveau être dans le fer. Hein, Mars rétrograde, il nous laissait laisser faire, laisse venir. Et avec Mars direct, on peut réagir à nouveau et avancer et poser des petites pierres, des petits cailloux. Donc, croire en ses rêves, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oser l'inconnu, hein. Croire en ses rêves, c'est oser l'inconnu, c'est oser dire, ben voilà, mon rêve c'est ça, voilà ce que je veux, mais finalement c'est pas une demande fermée avec des conditions, c'est une demande ouverte. Moi je veux ça, mais ça c'est ce que je veux du fond de mon cœur. Et maintenant je demande, qu'on me guide, qu'on me donne toutes les clés pour y arriver, toutes les passerelles, tous les ponts, et ce qu'il y a de plus juste surtout. Et même si ce qu'il y a de plus juste va me détacher de ce que je souhaite vraiment, c'est pas grave, je vais oser l'inconnu, parce que l'inconnu, si c'est ce qu'il y a de plus juste, c'est forcément bien. Donc il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et ça, c'est pas évident. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Quand on a peur de l'inconnu, on n'ose pas et on va s'accrocher à un rêve qui n'est pas bon. Et ça, ça va nous empêcher de réaliser ce qu'on doit vraiment réaliser. Donc, je voulais vous dire ça en premier. Et croire en ses rêves, c'est pas parce que la vie vous met des obstacles sur votre route que vous devez abandonner vos rêves. Vous laisser dérouter, déstabiliser. Et dire, c'est foutu, j'y crois plus. Abandonnez pas, mais enfin non. L'obstacle que vous rencontrez, où vous êtes tout le temps, sans vous buter peut-être même sur le même obstacle, c'est pour vous signifier que vous ne savez pas faire. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vous est apporté pour que vous corrigiez, pour que vous accédiez à votre rêve. Et donc effectivement, il ne faut jamais lâcher son rêve, surtout pas. Toujours, toujours croire en ses rêves et ne pas l'abandonner, mais pas croire de façon obstinée dans l'acharnement, sans se remettre en question, sinon ça ne marche pas.
à partir du moment où on a un rêve, on dit voilà, moi mon rêve c'est ça. On peut en avoir plusieurs, c'est même bien d'en avoir plusieurs, mais bon voilà, on va partir sur un, voilà. Et on fait une demande à l'univers. En fait, on envoie un message à son cerveau, on s'envoie un message à soi. Alors on peut appeler univers, cerveau, âme, l'énergie, comme on veut. Il n'y a pas de religion, ce qui compte c'est cette vibration intérieure. Et à partir du moment où on dit voilà, univers, je voilà ma commande, voilà mon rêve. Ben, l'univers, il va faire en place. Il va faire en sorte de faire la place pour que ça arrive. Après, il ne va pas forcément faire ce que tu attends immédiatement. Parce que pour que ton rêve se réalise, ben, y a peut-être des leçons à comprendre. Vous m'avez fait rire hier avec mon petit message que j'ai mis en disant « Coucou, je suis revenue !» Et puis, je vous ai mis un petit post sur ben, justement « Si tu te sens seule, si c'est difficile pour toi, ben, n'hésite pas à me demander de l'aide. Je suis là, je vais t'aider, signer l'univers. » Et il y en a quelques-uns qui ont répondu dans la joie, dans la spontanéité, « Oh, belle synchronicité et tout !» Ceux-là, je les ai reconnus, je dis « Voilà, vous croyez en vos rêves et vous lâchez pas !» Et il y en a même que je connais personnellement et qui en ont eu des obstacles et des désillusions, mais ils se sont accrochés à leurs rêves et ils continuent d'y croire et ils lâcheront jamais. Et ils sont dans le bon sens de la vie, ceux-là. Et puis il y en a qui disent bah, « J'ai beau demander à l'univers, il répond jamais, voilà, genre il est pas sympa, pas cool et tout. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Et vous le savez très bien en plus. Si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question. Je prends l'exemple de la commande à l'univers qui est « je veux rencontrer un amoureux ». Ok. Alors l'univers, il va t'amener ce que tu as demandé et puis la relation ça marche pas. Et ouais, mais bon, parce qu'en fait, derrière rencontrer un amoureux, il y a en fait souvent une envie de partager l'amour, de vivre la grande histoire et tout. Enfin, en fait, ce qui est la vraie demande souvent, c'est partager l'amour au sein d'un couple, avec un homme ou avec une femme, le partager, oui, mais si t'as pas appris à aimer, si t'as peur de l'amour, si tu t'en défends inconsciemment, si ce qu'on t'a transmis, c'est que bah, l'homme, c'est dangereux. Ouh, le vilain, et donc bah forcément, il y a ton cerveau émotionnel qui te dit « mais tu es folle, ma pauvre fille, mais n'importe quoi, attends, mais même pas en rêve, on fait rentrer un mec dans la vie, parce que là, ça va être le début de n'importe quoi. » Et la conscience qui dit « oui, mais moi je veux, ah bah il est pas cool l'univers, il répond pas à mes demandes. » Bah si, l'univers il répond à tes demandes, et il t'envoie justement des situations qui sont peut-être source de souffrance et de douleur pour te faire évoluer, pour te faire comprendre que tu dois changer ton regard et que tu dois bah, arrêter d'avoir peur, te défendre. Parce que c'est pas adapté d'avoir peur de l'amour ou de craindre de souffrir ou de penser que l'homme est dangereux, que tous des salauds, tous des connards et qu'on peut pas compter sur eux. Bon, j'ai un discours très fine, mais on peut le mettre à l'envers, qu'on peut pas avoir confiance aux femmes, qu'elles font que nous décevoir, qu'elles sont futiles, enfin... Voilà, je vous parle un peu de moi, mais après, vous, avec ma vibration, avec les exemples que je connais, mais c'est vrai que voilà, je adapté à vous. Il faut oser la vraie remise en question, sinon ça ne marche pas, et bien sinon, ben, on fait que se plaindre. L'univers, il répond toujours à nos demandes, mais maintenant, il va y répondre d'une façon, ben, nous aider à nous améliorer. C'est ça, être dans le bon sens de la vie. Donc on arrête de se plaindre et on remercie tous les cadeaux, même les obstacles. Moi je dis toujours dans mes consultations, quand je vois par exemple bah, que Vénus et la Lune sont touchées, pourquoi Vénus et la Lune? Parce que ce sont les planètes affectives et émotionnelles du thème qui nous renvoient à notre rapport à la mère et à notre façon d'aimer. Et je vois bah, que le stade oral 0-3 ans et puis que l'apprentissage de l'amour, il n'a pas pu se faire dans les bonnes conditions. Que donc bah, dans la façon d'aimer il y a beaucoup ou de peur ou des stress ou une avidité compensatrice, enfin tout ça, et que bah, ça a été réactivé par un transit de Saturne en général qui vient nous mettre face à ce qu'on ne sait pas faire pour nous faire comprendre la leçon de l'existence et grandir et avancer et évoluer. Ou à Uranus qui est l'éveilleur qui vient te dire oh, alors t'as compris, tu vois maintenant, t'as ouvert les yeux. À ce moment-là, c'est un cadeau
Ça fait mal, mais si on a mal, si c'est douloureux, une déception sentimentale, c'est pour nous faire prendre conscience de là où on ne sait pas faire. Et la douleur, des fois, elle est tellement forte qu'on peut finalement la contacter, ça doit atteindre nos nerfs et dire, mais punaise, mais j'ai pas fait tout ce travail sur moi, j'ai pas évolué comme ça pour souffrir comme ça, c'est pas normal que je souffre encore comme ça. Si je souffre encore comme ça, c'est qu'il y a encore un truc que j'ai pas compris. Bon, allez, ok, humilité, je vais apprendre, je sais pas faire, mais je vais apprendre parce que non, j'ai pas à souffrir comme ça. Ok, une déception sentimentale, un chagrin, c'est douloureux, mais je dois pas être dans un état pareil. Si je suis dans un état pareil, c'est que quelque part, je confonds encore l'amour avec quelque chose de l'ordre du vital, c'est que je vais mourir. Et là, c'est pas adapté, c'est que je sais pas faire. Et donc, ben, si je mets du vital dans l'amour, comment? Mais comment pourrais-je le partager? Puisque je vais demander à l'autre de me remplir, puisque je vais demander à l'autre d'être ma source de vie. Donc, ça prend des chemins, c'est long, et puis on avance à son rythme. Donc, vous voyez l'univers, comment il fait pour répondre à nos questions, à nos demandes. Voyez ce que ça veut dire de croire en ses rêves. C'est aller vraiment dans la remise en question et accepter les choses avec une sagesse, avec une gratitude immense. Et puis c'est tellement plus facile quand on prend toutes les choses difficiles comme des cadeaux. Alors attention, hein, ce ne sont pas les événements qui ont un impact sur nous, c'est la façon qu'on a de les accueillir. Hein. Et avoir de la gratitude, c'est aussi envers l'événement qui arrive. Et donc finalement, nous, on va avoir une gestion de cet événement. Mais par exemple, on n'est pas obligé d'avoir une gratitude envers une personne qui est foncièrement négative ou mauvaise envers nous. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Quelqu'un qui est dans une vraie perversité, on n'est pas obligé d'avoir de la gratitude. On peut avoir une gratitude envers la situation dans laquelle on a été pour pouvoir dire, voilà, décoder ce qu'il y a à comprendre. Mais maintenant, il faut rester au contact de son instinct de survie et du bon et du mauvais. Une personne qui a été franchement mauvaise ou perverse, il n'y a pas de gratitude. Hein, quand il y a un crime, une faute, il n'y a pas de gratitude. OK? Là, on condamne, on est au contact du bon sens aussi, ça. Ça, c'est important, je voulais vous le dire. Et puis sinon, je voulais vous donner un dernier message qui est très... Qui s'adresse aux mamans, parce qu'avec la Lune et Neptune, on contacte notre mère intérieure et il va falloir qu'on apprenne à être nos mamans intérieures. Hein. C'est par la maman qu'on apprend l'amour et si cette étape, elle n'a pas pu se faire comme il fallait et qu'on ne peut pas être autonome en amour, eh ben, on va devenir nos propres mamans et on va se donner beaucoup d'amour à soi dans la douceur et la sérénité. Et c'est un premier pas vers l'apprentissage de l'amour pour s'aimer tel que l'on est, parce que c'est quelque chose de très important. Et donc ça me fait penser à un message que j'ai reçu d'une maman qui me dit qu'elle est très inquiète pour sa fille et qu'elle souhaite que je fasse passer un message à sa puce au travers de mes vidéos. Et je lui dis, je vais essayer de trouver les mots. Et finalement, c'est plutôt à vous que j'ai envie de m'adresser. À vous, la maman qui m'avait écrit. Parce qu'elle est jeune, votre fille, elle se modélise sur vous. Et c'est vous qui êtes son inspiration et c'est vous qui êtes son modèle, et c'est sur vous qu'elle s'identifie en tant que femme. Et donc, si vous souhaitez qu'elle s'aime pleinement et qu'elle se respecte entièrement, ne soyez surtout pas dans le déni et soyez l'exemple vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, acceptez que ben, vous n'avez pas su faire et ne demandez pas à votre fille d'être heureuse à votre place. C'est peut-être pas le cas, mais voilà ce qui me vient. Soyez. Ce que votre fille vous renvoie a un côté peut-être spectaculaire pour vous montrer là où vous ne savez pas faire vous. Si elle s'est oubliée, quelque part, c'est peut-être parce que vous vous oubliez. Et quand vous lui dites à elle, tu dois t'aimer, tu es la personne que tu dois aimer, respecter le plus au monde, c'est peut-être vous que vous devez d'abord aimer, respecter le plus au monde. Parce qu'à ce moment-là, elle aura l'élan et l'impulsion de se dire, bah, je vais faire comme ma mère. Sinon, les enfants souvent font des choses spectaculaires pour nous montrer à quel point on est dans un déni et à quel point on peut s'oublier nous-mêmes. Faut pas se sacrifier, hein. Les mères ont tendance à se sacrifier, c'est terrible. Elles croient qu'elles disent bon, allez, pour moi c'est foutu, mais pour ma fille ça l'est pas, et donc elles demandent à leur fille de réaliser des choses, ou alors elles sacrifient leur vie de femme pour protéger leur fille, mais dans une illusion complète. Et c'est pas la bonne chose.
Moi, j'ai failli, j'ai mis un temps de dingue à avoir le courage, à trouver la force de me séparer, parce que quelque part, je voulais continuer à protéger mes enfants. Bon, il y avait plein d'autres choses, mais. Et alors que non, quoi, pas passer à côté de ma vie de femme pour mon fils et pour ma fille, leur montrer l'exemple d'une maman épanouie, c'est le plus beau cadeau que je peux leur faire. Et leur papa aussi, aujourd'hui, on s'entend bien, on a une très jolie complicité tous les deux, et nos enfants ont un exemple d'hommes et de femmes qui ne sont pas que deux parents, deux fonctions, qui sacrifient leur rôle d'hommes et de femmes sexués à la fonction parentale, et qui finalement bah, gèrent une PME familiale, quoi. C'est bon, ça va. Et donc, je sais pas, on réécrit pas, on fait pas de scénario, mais peut-être que si on s'était enfermé dans ces situations où on sacrifiait, où on s'oubliait nos enfants, l'un ou l'autre, on nous aurait renvoyé de façon très spectaculaire quelque chose de puissant, où j'aurais été amenée à dire à ma fille, non mais attends, tu dois t'aimer et te respecter, elle m'aurait répondu, et toi-même d'abord. Voilà ce qui m'est venu, et que m'a inspiré finalement votre message, et c'est plutôt à vous que je m'adresse. Donc aujourd'hui, on se connecte à la mère qui est en nous, à la maman que l'on doit être pour soi, à nos mamans, ça va bientôt la fête des mères, alors bon, bah maman. Et à l'amour, hein, à l'amour toujours, pour s'aimer tel que l'on est. Et on se connecte à ces rêves que l'on fait, à nos commandes à l'univers, et on comprend que ben, l'univers, il nous lâche pas, il nous montre le chemin par tous les moyens qu'il faut pour que nos rêves se concrétisent. Sympa, hein ? Allez, gros bisous et je vous retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Ciao, ciao !